Salut les mobeurs. Donc comme vous avez pu voir, si jamais vous me suivez sur Facebook, j'ai eu quelques petits soucis avec la cartouche Doppler. Si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, je vais vous les mettre juste maintenant. Ah, y a pas à dire. Ils sont bien les pots Doppler. Va falloir démonter pour regarder ce qu'il y a lâché. Bah voilà, ça y est. C'est bel et bien la mitraillette qui est en train de se dessouder. C'est ça, putain de soudure de merde, je sais pas qui c'est les mecs qui soudent ça, mais ça ne connaît, au lieu de souder, il ferait mieux d'aller enfiler des perles. Donc du coup, j'ai fait sauter les soudures et ça qui avait, qui tenait la mitraillette au support, comme ça mon père il va pouvoir ressouder comme il faut. J'ai aussi fait dégager les écrous qu'il y avait, parce que après tout, je savais pas comment étaient les soudures, donc valait mieux repartir avec quelque chose de fait comme il faut, on va dire. Le problème aussi, c'est que vu que la cartouche Doppler de base, les écrous sont soudés sur les vis, ce qui fait que j'ai dû couper. Donc maintenant, au moins, je me suis racheté des vis neuves, des écrous freins, comme ça je vais pouvoir tout remonter propre avec mon père. Donc tout à l'heure là, on va aller chez mon père et on va le faire bosser un petit peu. Il va falloir qu'il bosse et qu'il serve à quelque chose. Donc ça y est, on est arrivé chez mon père, donc il a prévu de quoi souder. On a prévu aussi de la bombe haute température pour pouvoir repasser les soudures. Mais il n'y a plus qu'à souder. Bon ben ça y est, la cartouche est ressoudée, on la repeint à la peinture noire haute température, comme ça au moins, j'espère que ça ne bougera plus. Bon ben merci papa, c'est gentil, tu auras droit à ton petit Ricard quotidien. Ah, parfait. Allez, à de suite pour le remontage de la cartouche. We'll be right back.
Bah ben voilà, ça y est, la cartouche Doppler est enfin remontée. Bon, ben j'espère qu'elle va pas repéter. Ben en tout cas, vraiment merci beaucoup à mon père parce que moi je suis vraiment nul au niveau soudure. Mon père sait de quoi je parle et d'ailleurs je pense qu'il va sourire quand il va penser à ça. En tout cas voilà, merci beaucoup de m'avoir filé un coup de main, papa, c'est sympa, merci. Allez, ciao.